Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement de mon dressing. La dernière fois, je vous avais montré un petit peu ma chambre, ma pièce. Je vous remettrai la vidéo quelque part par ici. Et je vous avais proposé de vous filmer une petite vidéo dressing, rangement de mon dressing. Puisque je ne suis pas totalement satisfaite par mon dressing qui est là. Il est énorme, certes. Il est en trois parties. Une pour mon mari, une pour moi et une pour mes cosmétiques qui est par ici avec quelques petites boxes. Et j'aimerais le ranger, continuer à l'améliorer, surtout ma partie vêtements, faire du tri. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Donc je vais pas vous dire que je vais faire à la Marie Kondo parce que j'ai pas encore lu son livre. Il est sur ma table de chevet là-bas, mais j'ai toujours pas lu. Mais je vois un peu le principe, j'ai vu qu'elle pliait d'une façon un peu particulière. Je me dis que j'ai peut-être tenté de faire ce style-là. Donc c'est parti. Sing fait tout mon pan de mur ici. La partie pour mon mari est ici, la mienne ici. Et ici, il y a une petite dernière partie où il y a quelques rouges à lèvres, etc. Donc c'est celle-ci vers laquelle je vais me consacrer aujourd'hui. Je vous montre de plus près. Donc j'aimerais bien ranger aussi là-haut. Mais je vais voir parce que c'est quand même que des boîtes. J'ai tout ce qu'elles ont cumulé, quoi. Mais sinon, mon objectif, c'est de désencombrer un petit peu mon dressing ici, au niveau de tout ce qui est penderie, désencombrer, faire du tri, vendre, etc. Et surtout, en bas, en fait, trouver quelque chose de plus pratique pour que je puisse accéder facilement à mes pantalons, faire un peu de tri. Là, c'est pantalons, petit haut, pyjama. Je ne sais même plus ce qu'il y a par là. Et en bas, je ne sais plus non plus. Donc, vous voyez, comme je sais, j'arrive plus à voir, je ne sais plus ce qu'il y a. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution que comme ça. En plus, j'ai tendance à prendre, comme beaucoup de gens, les pantalons qui sont au-dessus. Et puis, les pantalons en dessous, on les voit plus, on les prend plus. Donc, il va falloir ranger tout ça. Constatez, nous avons réussi à tout virer, tout ce qui était sur le lit, et voici le résultat. Au niveau de la penderie, rien n'a changé puisque tout est là. Enfin, j'ai vidé quelques trucs, mais pas grand chose. J'attends de perdre mes derniers kilos de grossesse pour faire encore du tri. Et au niveau du bas, c'est beaucoup mieux rangé, beaucoup mieux trié, beaucoup plus visible. On a utilisé la méthode Marie Kondo pour tout ce qui est pliage. Et je vous avoue que c'est quand même super efficace. Pareil, les pantalons, j'ai pas encore beaucoup trié
puisque j'attends de perdre mes kilos de grossesse pour être sûre et les réessayer et ne pas vendre pour rien, pour racheter après des choses que j'avais déjà. Là, c'est tout ce qui est pyjama d'été, il y a les nuisettes qui sont derrière, là, les petits débardeurs avec les petits caracos, jupe et pantalon et leggings, pantalon noir, pantalon jean. Et au fond, il y a quelques petits pulls, enfin les choses que je vais pas utiliser tout de suite. Et tout ce qui a été, c'est ici. Je n'ai pas précisé, mais les vêtements dont je me débarrasse sont ici. Ça va être pour Vinted, ceux-là. Et ceux-là, c'est ma maman qui les récupère parce que ça lui plaisait. Alors, et si j'arrive pas à les vendre sur Vinted, ça ira dans un groupe de dons, mais rien n'est jeté. Vous aurez pu constater pendant cette vidéo que ma maman était mon assistante et m'a beaucoup aidée à plier, donc je la remercie d'avance. Enfin, je l'ai remerciée déjà, hein. Mais du coup, voilà, elle m'a beaucoup aidée à tout plier, comme ça, voilà, ça m'a pas mal avancé. Ça fait du bien, ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dès maintenant et je vous fais de gros bisous. Salut, salut !